C'est reparti. Maintenant, la prochaine famille avec lequel je vais traiter, c'est la basse. Parce que comme c'est important de faire d'abord la rythmique, puis la basse ou avec la rythmique. Il faut que les deux, vous mixez les deux. Parce que c'est une basse, une fréquence basse. Et la grosse caisse, souvent, elle joue dans le même endroit. Alors, c'est souvent très, très difficile de mixer les deux, en fait. Je parle de la grosse caisse et de la basse, hein, parce que ça joue dans la même fréquence. C'est souvent difficile de bien mixer les deux. Alors là, je vais m'attaquer à la basse. Hop. Ce que je vais faire, je vais d'abord compresser un peu. Moi je vais utiliser. Nickel, ils sont bien là en plus. Je vais remonter un peu les. Je vais tester. Non, il y en a trop. Il y en a trop, je vais les baisser. Avec les effets, c'est plus présent. Maintenant, ce que je vais faire, j'ai pas besoin de faire plus. Ça sonne le kick maintenant. Alors, j'avais parlé un peu de sighting. Là, on va appliquer cette technique pour que soit le kick ressorte plus que la basse ou l'inverse. D'accord? Je vais tester sur la basse, faire un sighting sur la basse. Je vais le mettre dans le master bass. Hop. Alors sighting, c'est ici. Hop. Voilà, je vais chercher le bus. Voilà pourquoi il faut créer des bus. Vous voyez, je vais chercher mon kick, il est là. Hop. Je fais un sighting. Je me mets en mode sighting. Alors je vais écouter. Je vais enlever les solos. Je vais juste écouter ma piste basse. Ah ouais, si, il faut que le kick joue aussi, le bus kick joue. Voilà, celui-là. En fait, ça compresse à chaque fois que le signal s'arrête, le signal du kick s'arrête. Voilà, c'est ça. J'ai pas besoin, en fait, je me rends compte que j'ai pas besoin de compresser la basse, mais l'inverse. De plus faire un sighting sur le kick. Alors, je vais me mettre là, dans son bus, je vais faire l'inverse, en fait. Parce que la basse est déjà bien présente. Je vais chercher ma basse. Voilà pourquoi je sépare tout. Voilà le secret. C'est le sighting. Alors, basse. Bim, mon bus est là. Faire un sighting sur le kick pour que
chaque fois que ça s'arrête de jouer, le kick il va ressortir. Vous voyez, il va compresser à chaque fois. C'est pic, il se réfère par rapport au pic, mais je vais pas trop en mettre. Vous voyez, on sent que le kick est plus présent encore. Sans avec, vous voyez la différence. Mais là c'est trop fort. C'est l'attaque, mais non, il faut augmenter un peu l'attaque. Pas trop. Ce bouton, le clean, ça sert à quoi? C'est du niveau avancé, mais en fait, c'est comment expliquer? À chaque fois que ça va s'arrêter de compresser, ça va créer une sorte de fondu pour que la prochaine compression se marie bien en fait. Voilà, c'est un peu ça. C'est à ça que se sert ce bouton. Pour que ça ne s'arrête pas brusquement et ça reprenne fort en fait. C'est pour juste atténuer l'onde. Vous comprenez? C'est pour atténuer l'onde. Le sidechain pour que les deux aient la présence. Regardez, je vais enlever la compression sidechain et vous allez voir. On n'entend pas le kick, il n'est pas présent en fait. Et là maintenant, c'est des nuances, hein, mais ça sent, moi je l'entends, c'est tellement flagrant que. Je vais voir la basse du début là. Je vais écouter avec ça. Ouais, je suis obligé d'ouvrir la piste instrumentale, sinon je vais pas comprendre pourquoi je l'avais mis. Et là je sais pourquoi. Parfois il faut équaliser séparément, parfois non, il faut marier les deux pour comprendre pourquoi. Parce que c'est tellement bas que je ne sais pas pourquoi. En fait, c'était pour rajouter un peu plus de grave dans le synthé en fait. C'était pour ça que j'avais mis ça. Je vais lui rajouter des aigus. Je parle de la basse, hein, pas du synthé là. Ça. Je parle de ça. De rondeur, je vais aller chez Wave. Je sais que Wave ils ont des trucs de grave, de basse. C'est où le truc basse là?
Ouais, vous voyez tout ça comme effet. J'ai trop d'effets. Sortir les subs. Ouais, c'est là, il est là. Max Max. Oups, je vais mettre en stéréo. Il est pratique pour remonter les graves, en fait. Là, les graves sont ressortis. Je vous montre sans le traitement. Ok, maintenant avec le traitement. Je vais le baisser juste un peu là. Je vais mettre à moins 2 ici. Parce que ça, c'est un peu trop présent là. Il était mieux avant. Mince, je suis revenu au... C'est la in en fait, il fallait juste le baisser. C'est bon, c'est nickel. Voilà, c'était ça ma deuxième basse. Voilà, là j'ai fini avec les basses. Yep.